Et salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Fort Boyard. On est à l'épisode 19. Je vais tuer des mobs restants comme d'habitude. Mais j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez le remarquer. La hauteur du fort, la façade du fort est terminée. Donc ce fut long. Ce fut un travail de longue haleine. Mais j'ai enfin terminé. Alors, ce qu'on va faire dans cet épisode du coup, ça va être de continuer à faire les bases des cellules, hein, comme hier. Et puis, je viens de me rendre compte aussi qu'on va rajouter 2 de hauteur en haut. Je vais vous expliquer très vite pourquoi. Alors, avant ça, on va quand même aller chercher le coffre magique. Alors, on va d'abord trier ouais, tout ce qu'on a, parce que ça fait quand même un bout de temps que j'ai pas tout trié de ce que j'avais récolté sur les mobs. Bon, ok, tout ça c'est bon. Ça, ça cuit encore. Alors, ça qui est bien. Ouais, c'est bien parce que... Alors, j'ai été faire du sable. Oui, voilà, pour voilà, j'ai du mal à savoir de quoi qu'est-ce que je suis en train de dire. Voilà. Bref. Donc pour faire la surface ici, comme j'avais pas énormément de stock, j'ai été encore une fois continuer à raser la petite colline que j'utilisais avant pour récolter le sable et la sandstone. C'est pourquoi j'ai eu de la stone que j'ai fait cuire pour avoir de la cobble que j'ai fait cuire pour avoir la stone supplémentaire, et puis le sable que j'ai fait cuire pour avoir du verre. Pourquoi du verre? Parce que je crois que j'en ai pas pris. Ou alors en petite quantité, voilà. Il y en a que 3 stacks. Il va en falloir beaucoup sur ce fort du verre. Donc du coup, j'ai tout fait cuit. Alors on va attendre quand même que ça finisse de cuire tant qu'à faire. Il y a 2-3 choses que j'aimerais faire. Déjà j'aimerais réparer cette pioche du coup. Parce que vous le savez, ça m'a pris du coup pas mal de temps. Ouais, je vais la réparer là, juste après. J'attends que ça cuise. J'attends que ça ait fini de cuire. De toute façon, maintenant on est sur un petit épisode tranquille où là on va pas être pressé par le temps. Ça va. C'est à partir des épisodes 20, de la vingtaine qu'on va on va être pressé par le temps, parce qu'il va falloir très très vite finir. Mais pour le moment ça va. Je suis confiant. Et je suis con. Surtout. Qu'est-ce que... Oui, alors je pourrais essayer de me faire un arc un peu mieux expérimenté. On va se refaire un arc, tiens. Pour essayer d'avoir un power 2, pourquoi pas. Parce que quand j'essaye de tuer les mobs avec l'arc, ça rend pas hyper bien. Enfin, c'est pas que ça rend pas hyper bien, mais ça va pas hyper loin, on va dire. Donc on va se faire un petit enchant supplémentaire. Power 1, oui. Power 1 aussi. Voilà, et comme ça, on combine les deux. Ça coûte 2 levels. Ici, ça coûte toujours... Non, on va garder dans ce sens-là. Voilà, un power 2. Un power 2, c'est toujours mieux qu'un power 1. Comme ça, ça a eu le temps de cuire. On va stocker ça là. Et on va aller tout de suite chercher les diamants. Pour réparer la pioche, parce que vous voyez qu'elle est presque morte, hein, déjà, enfin presque morte, ça va, il reste un peu de marge, mais elle est pas hyper bien non plus. Et puis on va surtout aller chercher le coffre magique juste après. Je vais d'abord chercher le diamant. Ah, ça fait longtemps qu'on n'est pas retourné sur le continent du coup, parce que maintenant qu'on a tout sur place sur le fort, et c'est tant mieux je dirais, parce que bon, sur le fort c'est plus pratique au quotidien. La patate, et voilà, il va nous en falloir un stack. On va descendre tranquille. Bon, vraiment, c'est épisode tranquille aujourd'hui, les amis. Allez, alors les diamants sont ici, on va les prendre. Tout le reste des minerais sont pas indispensables. Par contre, c'est du stock de stone ici que je veux bien prendre. On va en avoir besoin dès maintenant.
Hop là, on va retourner sur le fort du coup. Alors, je précise que si jamais vous avez réagi lors de l'épisode précédent, je tourne le 19 en même temps que le 18, hein, donc je pourrais pas avoir vos réactions, mais on en parlera très très vite dès le 21. Dès le 21. Je vais tourner le 20 aussi juste après, donc c'est à partir du 21 que je vais réagir à vos commentaires. Alors donc, les diamants, ils vont nous servir à réparer ça. Est-ce qu'on en met 3? Ou est-ce qu'on en met que 2? 2, on est déjà bien réparé quand même. Et puis surtout, ça coûte pas mal. On va en mettre que 2 pour le moment. De toute façon, je pense pas qu'on va avoir besoin de refaire une pioche à un moment donné, donc pour le moment ça va. Oui, alors maintenant, coffre magique. On va y aller vite fait, avant que la nuit tombe. Coffre magique. La maison de magique. Alors vous voyez que j'ai dû déjà me servir dans le coffre avant d'arriver pour finir la façade. Mais surtout ce qu'il nous faut en priorité là par contre c'est la stone où là il n'y a plus beaucoup de stock. Et on va en avoir besoin de beaucoup dans les prochains épisodes. On y va. Donc bon déjà la façade finie c'est déjà un gros pas de fer. Hein. Alors la façade elle est quasiment finie à un détail près parce que va falloir rajouter 2 blocs à la fin. Parce que ça déborde un tout petit peu mais c'est vraiment un détail. Pour le moment c'est pas forcé à le faire maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis encore de la stone, qu'il en reste encore pas mal là-bas. C'est pour avoir du stock. Bon on va pas poser un peu de stock parce qu'on va pas tout utiliser maintenant. Qu'est-ce que je voulais faire? On va attaquer maintenant? Oui, on va attaquer maintenant, oui. Y a rien de particulier qu'il faudrait faire avant. On va faire ça tout de suite. Alors. Donc on va repartir de ce côté-là, histoire de pouvoir faire la longueur ici. Donc. Comme d'habitude, ici c'est 14 blocs de distance. 3, 4, 5, 6, 7... 14. Attends, on est à 14. Faut utiliser pour les messages Discord dans ces bulles. Ah bah en ce moment c'est la dèche, hein, y a personne. Hein, y a personne dans la type. Donc du coup il se sent un peu solo. Donc, tout le monde est en vacances. Voilà. On va boucher ça. L'objectif ça va être d'aller vite. Hein. On va pas. Ça va être un petit épisode tranquillou aujourd'hui. En plus on est samedi. Je devrais normalement vous poster un truc un peu rigolo. Ou alors si c'est pas rigolo, c'est un truc qui est une petite vidéo d'annonce, mais en tout cas vous allez avoir une bonne nouvelle, je pense. Vous aurez une autre vidéo, je pense. Je sais pas encore tout à fait quoi, mais vous aurez une autre vidéo. Hop là, voilà, on rebouche ici, on ferme la porte, comme on dit. Alors je préfère faire les petites distances d'abord histoire qu'on ne soit pas emmerdé par les mobs pendant la fabrication. Comme ça après on pourra s'abriter à l'intérieur, il n'y aura pas de mobs. C'est juste pour ça que je fais ça de ce point de vue là. Voilà, je pense qu'au prochain épisode, je vais avancer beaucoup off, au prochain épisode on aura fait la. On aura fait le tour, je pense. Alors, j'ai pas commencé à compter, donc on va partir de l'autre côté plutôt. Alors, donc ici, c'est une cellule de 14 par 18, pareil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
14. Voilà. Là, toujours les 3 d'épaisseur. On va refermer. Oui. On va commencer à se faire emmerder par les mobs. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Et surtout qu'en plus, les araignées peuvent nous emmerder d'ici. Non mais oh, tu vas te calmer, toi. Spider-Man, va. Oula. Le creeper, je l'avais pas vu. Ça, ce serait bien. Ah putain, espèce d'enculé, bah. La vulgarité du type. Bon, on va remplir les intérieurs avant de se faire emmerder. On va remplir cet intérieur là. Puis après, on ira tuer du mob. On ira casser du cul. Oula! Oula! Ok, la souris a déconné. Ah mais non, c'est parce que j'ai mis ma main sur le pavé numérique. Ah ça... Désolé, si vous avez vomi... Excusez-moi. Voilà, bon, on a plus rien en stock. Oui, on va passer en plein milieu, on va affronter les mobs. Excusez pour cette petite interruption. Là, on va casser du cul. On va casser du cul. La plateforme se réduit du coup, puisque y a ça qui vient un peu réduire le tout. Ça fait quand même 20 blocs de chaque côté, ça fait 40 blocs en moins quand même. Hein. Si tu fais les deux cellules des deux côtés. Putain, mais il est chiant le squelette là. Ah, par contre, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool du tout. Va falloir vite qu'on aille reboucher en off. Ouh, mais. C'est-à-dire que c'est un peu la dèche. J'aime pas trop cette situation pour le moment, mais bon. On fait avec, hein, mais... Bon, ça va, on n'a pas eu de gros mobs chiants qu'on spawnait, genre les nouveaux mobs de la 1.10 ou un spider jockey ou je sais pas, moi. Des trucs bien bien chiants quoi. Ça on en a pas eu pour le moment. Bon les Enderman j'ai pas encore essayé. Faudrait que je m'en tape un d'ailleurs. Enfin que je m'en tape un. Dit comme ça va un peu étrange. Faudra que j'essaye d'en tuer un prochainement. Alors je pense que la prochaine chose à réparer, j'ai vu que c'est mon armure. Parce que j'ai vu que mon armure était pas hyper bien pour le moment. Oh non la witch. Oh t'es sérieux. Non mais oh, tu t'es pris pour qui toi? Non mais oh. Elle m'envoie de la slowness quoi. Non mais oh, tu t'es pris pour qui toi? On va récupérer tout. Ça va, on récupère de l'XP, c'est déjà ça. C'est déjà la bonne nouvelle. Et boum! Et bim! Voilà, voilà, voilà comment tu... Voilà comment tu le creeper. On va casser du creeper. Voilà, ça brûle tout seul, de toute façon. Pas besoin de spammer. Parce que à chaque fois j'ai toujours tendance à spammer parce que je suis pas encore habitué au PVP 1.10, 1.9. Vas-y, viens, 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 vas-y, 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 vas-y. Et boah. Et boah. Voilà, en deux coups comme ça c'est réglé. Avec les coups critiques. Le coup critique, c'est une des meilleures inventions en PVP qui a été créée. Ça date de la 1.8 hein, de mémoire. Oh, mais je t'avais pas vu le mini-zombie. T'es surprenant, toi. C'est une des meilleures inventions qu'ils ont fait.
parce que je trouve ça ingénieux. Le coup critique, c'est vraiment ça fait de un peu de stratégie. Là où juste le PVP avant, tel qu'il était, c'était juste spammé, c'était pas terrible. Là, ça donne un peu de stratégie, c'est cool, j'aime bien. Ouais. Oh putain, le creeper. Voilà. C'était pas compliqué. On va buter les araignées ici. Bon, on passe aventurer sur l'autre côté du fort, on va pas tout traverser non plus. De toute façon, ça va bien respawner dans tous les sens. Voilà. Vas-y, viens toi. Viens, vas-y, viens. Oula. Ah oui, il y en a 4, d'accord. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait 4. Pour tout vous dire. Allez, venez. Bon, vous venez pas, tant pis. Ah, il y en a une qui vient. Les autres, dans le temps, c'est pour vous. Vous passez à côté d'une belle mort. Allez, viens mon creeper. Ok, j'ai mal géré. Ça fait deux trous quand même. J'aime pas trop ça. Enfin, généralement. Oui, non, j'allais faire une mauvaise blague, mais non. J'allais faire une blague assez misogyne. Je regrette. Je regrette toutes les blagues que j'ai fait jusqu'à présent. Tiens, je vais buter les squelettes là-bas. Je vais même les buter dans leur domaine. L'arc. Ah bah ça va, en deux flèches c'est bon. En deux flèches c'est réglé. Ah non, quoi que. Oui, en deux flèches bien chargées c'est réglé. Non mais oh, pourquoi tu te casses toi? Tu vas arrêter de te casser, voilà. Moi je veux te tuer. Là, faut le prendre par surprise le creeper. Et bim. Je sais pas pourquoi je m'enjaille un peu trop des fois. Bon, je commence à avoir pas mal d'XP. Ce qui est bien, c'est que à chaque fois j'utilise 2-3 levels en début d'épisode pour faire d'autres choses et puis après. Je les regagne. Avec les mobs. Bon. On va un peu plus avancer, donc on va prendre plus cellules en off, histoire que au prochain épisode, on est terminé à faire le tour des cellules comme ça, tous ensemble. Bon, le jour se lève, dans la tendresse. Non, je vais pas recommencer à chanter ça, c'était déjà ridicule à l'épisode 1. On va pas recommencer, ce serait pire. Bon, alors j'aime pas trop cette situation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, toi tu vas brûler de toute façon. Tu vas brûler en enfer. Voilà. Et on va tuer ce dernier creeper pour finir l'épisode. Salut tout le monde! Attends, on va attendre qu'il meure quand même. Voilà, salut tout le monde.